Les 7, 8 et 9 juin dernier, j'étais en Suède, à Malmö, en train de jouer les championnats d'Europe. C'est un événement, déjà c'est un peu la classe quand même. C'est les 12 meilleures équipes européennes qui sont invitées à disputer des matchs entre elles pour savoir quelles seront les 3 meilleures équipes. Et les 3 meilleures équipes se qualifient pour les championnats du monde. Voilà, donc c'est quand même un gros événement, un gros temps de rencontre avec le meilleur du derby européen. Les championnats d'Europe à Malmö, c'était la première fois pour moi et pour toute l'équipe et toutes les personnes de l'équipe qu'on allait se confronter au top niveau d'Europe. Donc c'était un week-end de 3 jours où chaque match était crucial pour se qualifier pour jouer le match d'après. Donc c'est quelque chose qu'on a préparé depuis déjà 2 ans et pour lequel on y allait avec un fort objectif sur les premiers matchs, mais où on ne savait pas du tout comment ça allait se passer sur la suite parce que tout dépendait de chaque résultat. Je pense que l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion, beaucoup de joie. Un peu de tristesse aussi parce que ça devait être mon dernier événement avec les Duchesses. Donc c'était beaucoup d'émotions à la fois. Le jeudi, quand on a découvert la salle, c'était assez émotionnel parce que déjà on a commencé par recevoir nos badges avec écrit skater dessus et championnat d'Europe UEFA. Donc là, ça a rendu le truc complètement réel qu'on était une équipe sélectionnée au championnat d'Europe UEFA et que j'étais un des skaters dans cette équipe. Et là, je me disais en boucle, je suis hyper fière de faire partie de cette équipe. Ouais, c'était incroyable de rentrer dans cette salle énorme que d'habitude on voit que finalement sur YouTube quand on regarde les autres équipes d'Europe jouer. C'est une salle qui est quand même mythique dans le roller derby européen, celle de Crime, les premières d'Europe. Donc c'était beaucoup d'émotions, encore une fois, beaucoup de fierté. Et après, retour à la réalité, repérer les vestiaires, s'assurer que tout est prêt pour notre préparation du lendemain. Mais c'était un moment important dans notre préparation. Le vendredi, on arrive, premier match contre l'Homme, qui est donc un club de l'agglomération, de la périphérie lilloise. L'Homme, déjà, c'est trop des copains, on les aime de trop. On les a rencontrés quelques mois avant en championnat, ils nous ont battus. Donc c'est un peu notre... c'est notre équipe, un coup c'est elle, un coup c'est nous, quoi. Donc là, on arrive, beaucoup de pression, évidemment, on ne connaît pas la salle. Il y a déjà du public dans une salle qui est très impressionnante, qui est quand même très grande. Puis le match se passe avec toute cette appréhension et le gros enjeu de ce match, c'était qu'il fallait gagner le premier. Ensuite, pouvoir accéder aux grandes équipes européennes. Et je pense qu'on a fait la meilleure analyse stratégique de notre histoire pour être sûr de gagner ce match, qui était notre premier objectif. Donc avec beaucoup, beaucoup d'énergie, de détermination. Quand on a gagné aussi largement, c'était un peu grosse surprise et grosse joie. Donc ça nous a confirmé dans quelque chose. On sait qu'on doit jouer Manchester, qui était pendant longtemps placé deuxième d'Europe, qui est une très grosse équipe. On avait appris que Manchester était une équipe très confiante face à nous parce qu'on ne sait pas trop nous placer sur la carte. Du coup, on les comprend. C'est aussi, moi personnellement, une équipe que j'admire beaucoup, que j'ai pas mal regardé jouer. Donc, il y avait du stress. Et en même temps, quand on était sur le track, on faisait notre truc parce qu'on était en équipe et qu'on avait quelque chose de très collectif. Et aussi, on n'était pas beaucoup. Et donc, il n'y avait pas le choix d'être solidaire. Il fallait jouer ensemble et sinon, c'était tant pis. Et je pense qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on était en train de faire un exploit tout au long du match. On s'est rendu compte qu'on jouait au derby et puis c'est tout. Manchester, on les avait déjà joués une fois. Elles avaient gagné 30 points. Et c'était un peu la surprise de bon, on y va sans trop de pression, mais on pense qu'on peut le faire. Donc, on va voir. Et là, tout se déroule parfaitement bien. Ça se passe... comme dans un rêve, ça se passe, on pose notre jeu, nos jammeux sont en forme, nos défenses sont hyper solides, on a un benching incroyable, des décisions stratégiques toutes bien timées, tout au bon moment, et c'est presque le match parfait.
c'est la victoire. À quelques points après, sur le dernier jam, après avoir offert un spectacle incroyable, après avoir transpiré, réfléchi, est-ce qu'on fait les bons choix, sur ce dernier jam, on finit par l'emporter et on n'en croit pas nos yeux. Suite à cette victoire qui a quand même commencé à 7h30 dans les vestiaires, on a re-rendez-vous sur le terrain à 19h, ce coup-ci contre Crime City. Donc l'équipe de Malmö qui nous accueille à domicile, c'est leur terrain. Et là, là rien ne va plus, on est épuisé. La machine à laver, c'est une équipe qui est très forte en face, qui est très rapide et qui arrive tout à fait à nous contrer. Et l'autre équipe mène le jeu, on se bat comme jamais. On a un différentiel qui est très correct. On le donne tout jusqu'à la fin, tout le monde est là. On continue de sortir un très beau jeu, très collectif. Mais elles sont plus fortes, elles gagnent. Là, on va se coucher, on n'en peut plus. Il reste encore un match demain, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais déjà d'être en arrivée là, c'était au-delà de tout ce qu'on pensait avoir en arrivant. Donc, c'est parti, tout le monde au lit. Ce qui s'ouvre devant nous le lendemain pour le dernier jour du tournoi, c'est la petite finale contre Londres. Et encore une fois, cette occasion d'aller chercher le ticket qualificatif pour les mondiaux. Moi, j'y vais un peu comme le match contre Reigny, j'y vais en ayant en tête qu'on a beaucoup progressé, qu'on n'a rien à perdre, que Londres, c'est quand même une équipe qu'on a affrontée la saison précédente à la même époque, qui nous a battu de 30 points. 30 points, c'est pas grand-chose au roller derby. Mais on a nos chances. Donc on se prépare, on sort les pistoboules pour se masser, la prépa mentale, on se retrouve en équipe, on improvise des visionnages, on se dit vraiment là, il va falloir tout donner. Après, on a une petite mauvaise nouvelle qui est que dans l'équipe, tout le monde n'est plus en état de jouer ce match-là. Donc il y a forcément ce moment où il y a un peu de doute, un peu d'adaptation et puis on se retrouve à refaire le quatrième fois le même échauffement et on se dit bon. On était lancés et une fois que le match a commencé, de toute façon, je crois que tout le monde est dans un état d'esprit de il n'y a pas le choix, il faut que je donne mon maximum parce qu'on est peu. Et parce que tout le monde est crevé, on était à notre quatrième match et j'ai ressenti un truc très très solidaire entre nous. Je me rappelle d'un moment extra qu'on a vécu avant nos matchs, de communion avec les trois autres équipes françaises qui sont là avec nous qualifiées. C'est historique d'avoir quatre équipes françaises qualifiées au Play-off Europe. Et il y avait vraiment, on était portés par ce public et on avait envie de faire une performance. Londres, ça fait particulièrement partie des équipes que je regardais jouer. C'est une équipe qui a déjà été aux championnats internationaux, donc le niveau d'encore au-dessus du championnat d'Europe, donc que j'ai particulièrement regardé. Et voilà, c'est une équipe, tu te dis, c'est pas possible que nous on la gagne parce qu'on est encore tout petit. D'ailleurs, il va peut-être falloir qu'on arrête de se dire ça. On y va avec tout ce qui nous reste, en se disant que c'est déjà tellement génial d'en être arrivé là que c'est que du bonus, en fait, ce qui se passe. Au début, on arrive, on n'est pas bien, il y a la fatigue. Moi, j'avais des nausées comme pas possible, j'avais des vertiges. J'en parle aux médecins de l'équipe qui me disent « N'importe quoi, tu stresses dans ta tête ?» Je suis là « D'accord, c'est dans ma tête. » On prend une pâte de fruits, ça repart. Et là, sur le terrain, à nouveau, on reprend confiance après l'échauffement, premier jam, ça se passe bien, on commence à gagner. La petite finale, toutes les équipes sont là pour nous regarder, pour nous encourager. On a beaucoup de soutien des équipes qu'on a battues avant, en fait. Donc, ça crée vraiment une énorme ambiance. Puis, on offre un match très serré. Et ça prend le public avec nous. Et puis, on voit qu'on mène. Et puis, ça se rapproche. Il y a des égalités. Et du coup, on essaye de pas du tout penser au score et à l'après, quoi. On essaye de se concentrer sur chaque jam. Et puis, le dernier jam arrive. Ça peut le faire, quoi. Ça peut le faire. Il y a toujours des temps morts à ce moment-là. Donc, on a le temps de se regarder le public et se dire imagine. Et puis, non, faut se concentrer sur le moment présent, quoi. On n'est pas large niveau score, quand même. Londres nous talonne. Et là, dans ma tête, j'essaye de faire le vide. Et en vrai, j'ai la voix de mon staff derrière qui m'a communiqué la stratégie, qui tourne dans ma tête, qui me dit tu prends le lead et puis t'attends que le temps soit écoulé, t'arrêtes le jeu, on gagne comme ça, sans faute. Et il fallait quand même prendre ce lead, mais j'ai très grande confiance en mes coéquipiers et coéquipières qui, je sais, sont là, ça va le faire, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc je fais ce vide-là, on prend le lead, et là, évidemment, pic de stress, tout ralentir, attendre que le temps s'écoule, il restait peut-être 30 secondes. Donc j'attends la fin de ces 30 secondes sur le chrono, au ralenti sur le terrain. J'arrête le jeu, ça fiche le score, et là on a gagné. Et cette victoire, ça veut dire une médaille de bronze. Là, c'est explosion de joie, incrédule, complètement dingue sur le banc. On l'a fait, quoi.
On a joué 4 matchs, on a battu Londres, et le truc, c'est, ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, on va aux Mondiaux, qu'on a toujours regardé à la télé, en fait. Donc là, on va aux Mondiaux, c'est où les Mondiaux? À Portland, aux États-Unis. Tout de suite, c'est rigolo, parce qu'on a cette victoire qu'on savoure, et puis tout de suite, c'est, mais est-ce qu'on a les congés? Est-ce qu'on a l'argent? Est-ce que les gens ont envie? Comment on va s'organiser? Il y aura qui là-bas? Mais en fait, c'est des équipes incroyables qu'on n'a jamais jouées de nos vies. C'est n'importe quoi, parce que derrière, ça veut dire partir à Portland, mais... on n'a pas les moyens de partir à Portland, ça va être une galère logistique pas possible. Du coup, on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de vous pour partir à Portland. Nous, on va s'occuper de nous entraîner et de trouver les congés. Mais c'est vrai qu'au niveau finance, c'est un voyage qu'on n'a jamais fait. Dans les personnes de l'équipe, personne n'est jamais allé jouer aux États-Unis à ce niveau-là. Tout est imprévu, tout est de dernière minute presque. C'est un sport qui est avec des très fortes valeurs féministes, qui défend le droit aux personnes trans de jouer dans l'équipe où elles ont envie, quel que soit leur genre, vécu ou civil. On porte très fort ces valeurs. Et pour porter très fort ces valeurs, on est complètement en autogestion, c'est-à-dire on gère tous nos entraînements, tout notre coaching, tout notre suivi, toute la stratégie, toute l'orga des matchs, faire venir des équipes, faire les buvettes, toutes les levées d'argent, c'est nous. De bout en bout, c'est nous. Ce qui est génial en termes de cohésion et d'expérience collective et d'expérience militante, mais ce qui, en termes d'argent, n'est pas le plan le plus rentable. C'est un financement qu'on doit trouver très vite. Donc on va mettre en place un financement participatif. L'idée, c'est de vous donner ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et nous, en échange, on a quand même réfléchi à 2-3 petites rétributions à vous offrir, des choses drôles, des choses jolies. Du coup, là, on parle de 25 000 euros à trouver en 4-5 mois. Si vous voulez nous aider à réaliser notre rêve, en fait, maintenant, c'est devenu un rêve. Avant, c'était pas accessible, mais ouais, on compte sur vous pour nous aider. On compte sur vous, on compte sur votre soutien, et on vous représentera fièrement à Portland en novembre.